Leve yo ka. Mon pas matrone ka pou leve moi yo ka. Leve yo ka. Trouve ma chaîne. Avec cette année-là, la jonque est tombée. Allez. Ah. Mais non, y'a rien. Hello, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, je suis en recherche de l'or, de l'argent. De l'argent? Ah oui, on m'a dit, sur cette plage, tu viens, avec ma super chaîne, je trouve de l'argent sous toutes les roches qui sont là. Ah non, ici, il n'y a pas d'argent. Au contraire, il y a des richesses merveilleuses avec la matière première. Hein. Et d'ailleurs, regarde, j'ai récupéré des pierres et avec toutes ces matières, là, je peux faire des choses extraordinaires. Hein. Tu fais quoi comme ça? Viens, je t'invite à voir tout ce que je fais. D'accord, bon. Tous les mardis, je vous prouve que l'Éveil Yoga est votre émission de proximité par excellence. Ce soir, je vous montrerai que la passion est une véritable richesse. Lorsqu'on travaille la pierre, la calebasse, les fruits du monde végétal, on nourrit son inspiration et son imagination et on crée. Suivez-moi dans le monde de l'art et de la création avec ces Moon Peia dans l'Éveil Yoga. Et parti, alors on y va. Oh non, j'en peux plus, c'est bon, le shopping naturel est fini. Oui, on est arrivé là. Là, on a pris les pierres, le bois flotté, le coco. Ouais. On va chercher le bambou et puis la calebasse. Tu m'as toujours pas dit c'est quoi ton prénom. Hein. Moi, c'est Hervé. Ah, salut Hervé, enchanté, Patricia. Enchanté, Patricia. Donc là, on va chercher le bambou. Voilà. C'est parti. On est vraiment derrière le dos du bon Dieu. Hein. Ah non, mais on fait, moi j'en peux plus, c'est encore tiens, moi. Voici ah, le bambou. Donc on va prendre du bambou pour faire quoi? On va travailler sur les flûtes avec. Sur des flûtes? Ouais. Des flûtes pour. Comme instrument? Ouais, des instruments de musique. D'accord, très bien. Donc là, est-ce que tu dois faire un choix particulier? Ouais. Est-ce qu'il y a des pousses que tu dois choisir? Ah ouh. Là, je pense que je vais trouver la branche qu'il me faut. C'est une variété femelle et c'est au seul endroit qu'on peut trouver des bambous avec le bon calibre pour faire les flûtes. On va faire des morceaux. Mais pourquoi tu fais des morceaux avec... Ce sera plus simple, hein, puis pour le transport aussi, hein, sortir de là avec les morceaux. D'accord. Mais est-ce qu'en fait, on coupe le bambou par rapport à une période, par rapport à la lune, ou alors on peut couper le bambou quand on veut? Non, moi j'attends plutôt après la pleine lune, le plus bas possible. D'accord. Vers la nouvelle lune pour pouvoir couper le bambou. Voilà. C'est bon? Bon, il y a assez de flûte, hein? Ouais, je pense que ça ira. Bon, là maintenant on va où? Ben là, je pense qu'on va retourner à l'atelier. Hein, pour transformer tout ça. Ok. Allez, on y va. On passe aux choses sérieuses? Exact. Bon, alors ça veut dire qu'on va confectionner plein de choses dans ton atelier. Ouais. Donc ces éléments. Voilà, on a récupéré tout ça. Là, on va aller dans l'atelier. Voilà, on y est. Waouh! C'est là, la caverne. Exact. Thank you.
Donc là, qu'est-ce que tu fais exactement? Là, je vais préparer des embouchures là, pour les flûtes. D'accord. Parce que après, j'aurai des calculs à faire pour pouvoir placer les différents trous. T'en vends beaucoup, de flûtes? Comme elles sont des instruments qui sont vraiment accordés au diapason, donc j'en vends pour des professionnels et des gens qui veulent vraiment travailler la flûte. Et qui t'a appris à faire ça? Ben, j'ai un ancien, là, M. Ventadour, qui m'avait montré déjà une méthode. Et puis j'ai été voir Léon Saint-Rose aussi, qui m'a montré une autre méthode scientifique qui me permet de percer la flûte avec un calcul précis, tout à fait. Voilà, j'ai déjà fait un premier tracé. Tu pourras faire ça? Oui, 1,5 cm, le premier trait, puis après tu fais un taille 12 mm et 1 cm de large. C'est bon, hein. Bravo. Je vais faire la finition. Tac. Tac. Après, je vais faire la main. Voilà. Donc là, tu calcules quoi par rapport à quoi? Ben là, si tu veux, ce sera le placement des trous sur la flûte. Donc j'ai déterminé la longueur. Et il y a un pourcentage à faire pour chaque trou selon la longueur pour justement le disposer sur la flûte, et après on passe à l'accordage avec un diapason. On peut essayer de voir le son. On verra, je crois que n'est pas fini à celle-là. Il y a Chatterton. T'approches. Donc les trous sont placés, mais elle n'est pas accordée. D'accord. Donc le son n'est pas harmonieux. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on va passer à une autre étape. On va peut-être travailler sur la calebasse. La calebasse, intéressant. On va allonger. Donc là, c'est une autre partie de ton univers. Voilà, enfin, c'est notre établi. Ça représente quoi exactement la calebasse? Parce que j'ai cru savoir ou j'ai cru lire, mais je pense que j'ai bien fait, que ça représentait le ventre de la femme, la matrice, dans l'imaginaire. La fécondité, ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Des fois, la tête aussi, hein, le crâne. Hein. Et à un moment, on disait, si tu shootes une calebasse, avant, on pensait gros que ça te, donne le, ça te rend fou. Oui, oui. Ça te rend fou, parce que c'est là comme une tête, et si tu shootais des calebasses, bon, c'est ce qu'on disait. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, au fait, les petites graines, c'est du poison? Non, c'est plutôt la chair blanche qui est antiseptique, enfin, pour notre variété. D'accord. Mais je sais que les graines sont comestibles. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, là, je vais aller graver ça, là. On grave de l'autre côté? De l'autre côté, ouais. Allez, hop, c'est parti. Génial. Ah, je suis trop contente. Elle est super jolie. C'est vrai. Elle est super jolie. Mais voilà, l'éveil yoga à sa calebasse. Oh, ouais. Je vais pas casser. C'est solide. Voilà. Bon, bah, du coup, celle-ci, tu vas la travailler. D'accord, pas de souci. J'ai fait un soleil. Ah, c'est ce qu'il faut, la mer et tout ça. Ce matin, on a ramassé les pierres. Des pierres. Ouais, tu fais quoi avec les pierres en général? Ben, ça dépend. Des fois, je fais des sculptures, des petits animaux, des petites têtes, des photophores, des diffuseurs. Donc là, je pense je vais faire une petite tortue. Quelle est la particularité des pierres que tu ramasses pour pouvoir produire ce genre de sculpture? Ben, tu en as qui sont. Tu as la pierre ponce, hein, on a pu trouver quelques pierres ponce. Tu as des pierres beaucoup plus dures, j'ai pas tout le nom des matériaux, mais d'accord. Bon, j'utilise généralement la pierre ponce. D'accord, très bien. Alors ça se passe comment? Donc tu travailles avec quels outils? Alors là, j'ai une râpe en carbure, là. Qui me permettra justement, parce que la pierre ponce est très, très, très abrasive. Et ça a tendance à user les outils qu'on utilise très rapidement. Donc c'est vrai que j'ai d'autres râpes que j'utilise, mais bon, à la longue, elles s'usent, tandis que celle-là ne s'use pas. D'accord.
Là, je fais déjà un petit peu le repère de la tortue, les pattes. Mmh. Puis après, il y aura des parties que j'aurai à éliminer. Voilà, donc une fois que j'ai séparé un petit peu les différentes parties de la tortue, je travaille un petit peu sur la carapace. Mmh. Parce que c'est elle qui va déterminer la grosseur. Hein. Souvent, on voit la pierre comme ça, et puis quand je l'ai bien travaillée, la pièce devient beaucoup plus petite. Hein. Voilà. Tiens, j'avais commencé une pierre là pour un client. Tiens, tu pourras m'approfondir les traits. C'est une petite tête. Hein, tu vois, il y a la bouche là, le nez, tu vois le contour, il y a les cheveux, le menton, enfin. Tu arrives à voir ça, mais tu es un vrai artiste. Ouais, mais quand tu vas approfondir les traits, ça va sortir un petit. Pas mal. Ouais, t'as fait un petit point. Je fais les yeux. Ouais, c'est bien. Ça avance pour toi? Ouais, c'est bon. Ça commence à rentrer. Tu m'as un petit peu mangé le nez, là. Mais non, mais parce que le nez est rond. Le nez comme ça, regarde. Ah, oui. Chip. De toute façon, il reste de la matière, on pourra rattraper le coup, là. Alors, c'est bon? Bah oui, regarde. Waouh, tu as un petit peu modifié les traits, mais ah ouais, c'est plus du tout le visage hein, que j'avais commencé. Mais c'est vraiment souriant, c'est vrai, très souriant. Mais je pense qu'il faudra que tu passes encore quelques semaines avec moi hein, pour peaufiner l'histoire. Hein. Ah ouais, carrément. D'accord, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as, Bastien? Bah tu as tous ces trucs là. Tu peux me montrer ce que tu fais? Oui, là j'ai. Comme ça, qu'est-ce que j'ai un petit travail. On pourra pas dire que je travaille mal. Là, tiens, un petit travail sur le bambou, là. C'est des tableaux que je prépare là, pour des clients. D'accord, donc en fait, c'est bambou, mahogany et pierre. Et pierre, voilà. Tiens, tu as un superbe coffret style bonbonnière, là. Tu vois, regarde. C'est joli, waouh. Ça a été... Ah, c'est super sympa. Bon, celui-là a été peint à l'intérieur. Des fois, je laisse nature aussi. D'accord, donc on voit une bonbonnière ou encore une boîte à bijoux. Boîte à bijoux, tout à fait. Très bien, c'est parfait. Et puis de toute façon, on va aller à la boutique et je vais te montrer tous les autres objets qui ont une meilleure finition là, et qui sont exposés. Ah bon, bah, descendons. Allez, on y va. Allez hop! Ah, il fait bon, hein? C'est vrai, ici il y a toujours de la brise. On est bien placé, je suis en face de la mer. Allez, voilà. Waouh! T'as vu ça? Ah, mais c'est super joli! Il faut, hein? C'est vrai qu'il y a les mêmes objets, à peu près, mais le cadre est totalement différent. Ça fait combien de temps que tu es ici? Là, depuis 2003. 2003, d'accord. Donc en fait, tu exposes et tu vends tout ce que tu produis là-bas dans ton atelier. Toute ma production est là. On retrouve les tableaux avec le bambou. Les pierres sont là, ouais. C'est sûr. Ah, ça, tiens. Les porte-enceintes, ouais, ça, c'est certains morceaux de bambou qui ont été transformés. Tu fais des pics aussi. Ouais, stylo. Génial. Ah, les tortues. Ah, bah, tiens. Ce matin, on en a fait une avec de la pierre. Celle-là est en calebasse. Et la particularité, c'est l'intérieur. Toujours sablé, oui. Ça... Comment tu as besoin? Ben, c'est de la colle, hein, de la colle et du sable, chez nous, simplement. Ouais, c'est sûr. Ah, ben voilà, donc en fait, tu nous parlais de ça, donc le brûle-parfum. Ouais, c'est le diffuseur, donc tu mets la bougie à l'intérieur et quand ça a chauffé la pierre, ça diffuse le parfum que tu as introduit dans la pierre. Génial. Puis les couverts. Tout ça avec du bambou et de la calebasse. Bambou, calebasse. Petit écumoire, une saucière, une louche. Mais c'est intriguant. Il faut, hein? Bon, ben, on va les appeler, les clients. Allez-y, entrez. Venez voir ce que nous avons. Bonjour.
Regardez, de l'artisanat local. Vous en pensez quoi alors de tout ça? C'est local. Ah, il vous va ravir. Il est super beau. Avec le petit bracelet. Ah, magnifique, c'est vrai. Ah ouais, tant qu'à faire, avec la parure, ce sera parfait. Voilà. Il est magnifique. Avec deux petites calebasses. Ah oui. Ce jour, celui qui fait beaucoup de sucre. D'accord, ce sera fait. Pour des ailes. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bon retour. Et puis à la prochaine. Oui. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bon, ben moi aussi je vais y aller, je vais te laisser finir la vente. Je vais chez Stella, tu la connais? Oui, bien sûr. Stella Walters qui confectionne des bijoux avec tout ce qui est végétal. Donc je pense qu'on sera encore dans le même univers avec des bijoux. D'accord. Ok? Allez, bon courage, merci. Bonne vente. Au plaisir. Bye bye. Bye. Yes. Numéro 4, donc c'est là, chez Stella. Oui. Coucou. Oh, Pat. Ça va? Mais j'ai juste de raccrocher avec Hervé. Hervé, il t'a dit que je venais? Ouais. C'était rapide. Trop fort. Je suis en transpiration, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Oui, impeccable. Bon, je suis venue. Je sais que tu es la pro de tous les bijoux en matière végétale. Et je me suis dit, je suis à côté, il faut que je vienne voir Stella pour que je puisse voir qu'est-ce que je peux faire avec elle. Et tu me l'avais promis. Et montrer aussi aux téléspectateurs. Eh bien, écoute, je prends mon petit sac. Yes. Et puis on y va. Oh ben c'est bon. Ah, j'étais deuxième partie. Y aller. Deuxième partie avec Stella, c'est parfait. Ok, ben c'est parfait. Ah la li la la. Tu as toujours fait ça, toi. Alors regarde, tu vois, il y a des flamboyants là. Wow, tu vois, c'est beau, hein. Regarde, vert. Et tu travailles avec tout ça? Je travaille avec tout ça. Attends, je t'ai fait la courte échelle? On n'a pas besoin. Tu veux pas qu'on fasse l'inverse? T'as peur ou t'as pas confiance? Non, mais bon, voilà quoi. Non, je t'ai fait la courte échelle et puis regarde, il a porté de main. D'accord? Alors, la courte échelle. Attends, j'enlève mes chaussures. Et hop. Allez, 3, 4. Allez, hop. Ça commence bien. Bon, il n'y a pas quelqu'un là! Au secours! Au secours! Quelqu'un pour nous prendre? Allez, viens, 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 ça tourne. Super, comme en France. Attends, j'arrive. Moi aussi, hein? Ah, super! C'est bon. Merci! Hop là! Génial! Impeccable! Hop! Super voisin! Merci! C'est bon? Voilà, bon, allez. On n'en prend pas plus. Ça va. Allez, dans le panier. Et on remonte? Et puis, non, j'aimerais bien qu'on aille chercher des toutes petites feuilles là-bas parce que j'ai envie de te faire faire quelque chose. Ta chaussure? D'accord. Des toutes petites feuilles? Oui. Tu vois les petites feuilles comme ça, là? C'est trop joli. Tu fais des choses avec des feuilles, Stella? Oui, mais bien sûr. Alors, au sol, regarde ça. Mais attends, mais comment tu fais pour avoir ton inspiration? C'est pas possible. Tu veux pas faire une petite paire de boucles d'oreilles? Ah, moi j'aurais bien aimé. Ah bon, alors on va chercher ça sur Google. Ben, vous verrez, vous allez assister à la confection d'une paire de boucles d'oreilles avec des feuilles de résine. Alors. Tu prends des petites, une petite taille. Des toutes petites tailles. Ah ben j'en ai deux là, regarde. Oh, c'est bon. Tu vois ta tête? Ça tirait super bien, hein. On essaie. Bon, bah, allez, c'est parti, mon kiki. Tiens, tu me donnes. Voilà, c'est super, la récolte. Ouf. Ça va, ben, on va s'installer tout de suite là? Ah, mais c'est génial, hein? Mais t'es vraiment en communion avec la nature. Moi, je suis tranquille. Même où ici. Tu travailles, tu es sous le, l'arbre à pain. Voilà, sur le fruit à pain, tu vois. Et je suis tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Voyons voir, c'est un petit peu linge. On va essayer au cou. Un collier avec du chacha? Tiens, qu'est-ce que tu crois? Alors, mesure. Voilà, comme ça, on va faire ça comme ça. Regarde. D'accord. Tu as vu la graine? Excellent. L'envoyant? Excellent. Voilà, comme ça, on c'est a abîmé. Non, ça n'inquiète pas, on va rectifier. Voilà, alors je branche la machine.
En somme, c'est comme le bois, c'est exactement comme le bois. Hein. C'est ce que je vois. Le bois. Ouais. Donc là, c'est pour mettre la tasse. Voilà. Tu fais attention de ne pas mettre ton doigt derrière. Hein. D'accord. Il y a une sécurité toujours. Et quand tu vois que ça patine, tu augmentes un petit peu parce que c'est que c'est trop lent. Et en somme, il ne faut jamais forcer. Hein. Il faut toujours laisser la machine aller toute seule. Toute seule. Et elle prend son temps, mais voilà. Donc là, regarde, j'ai cherché un lacet. D'accord. Je te laisse vers l'autre trou. Ok, le dernier. Hein, d'accord. C'est bon. Tu vois, je peux être fière de toi. Tu veux prendre comme assistante? Oui, oui, t'as pas de soucis. Parfait. Alors. Alors, le modèle. Vu le beau modèle. C'est super sympa. Mmh. Alors là, je vais faire une vieille petite blague, mais c'est vraiment la corde au cou. Voilà, ma belle, regarde. Alors, je t'ai ramené la nia de cuir en espérant que tu aimes le bleu. La grosse pince. Voilà. Je te laisse monter. D'accord. Voilà, je fais l'autre côté. Alors, on remet toujours à égalité. Mm-hmm. Alors, fais voir ce que ça donne. Eh bien, écoute, ça le fait. Hein. Je vais te chercher un miroir. Hein. Impeccable. Oh, on peut faire des trucs super simples. Très simple. Oui, oui. Excellent. Et puis là, on va choisir une perle. D'accord. Pour l'arrêter. On essaie toujours. Il est sur mesure. Voilà. J'ai cherché mon miroir, j'arrive. Excellent. Waouh ! Excellent ! Tu aimes ? Mais c'est super original, c'est super joli. Stelle, on a pris des feuilles, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ? Oh là là, j'avais oublié. Tu les as oubliées ? Ah oui. Alors ? Là, je le défais un petit peu, tu vois, je le dédouble. Mm-hmm. Voilà. Et je fais toujours à égalité pour que les deux côtés de boucle d'oreille soient égales, tu vois. Alors d'accord. Donc, je prends comme ça, par exemple. Alors, je mets bout par bout. J'ai pas encore vu ce que tu veux faire. Ah, mais tu vas voir. Je te suis. Bien. Alors, je prends. Je coupe le bout pour égaliser. Ouais. Je vais juste à l'autre extrémité. Oui. Voilà. Je coupe toujours pour égaliser. Oui. Et là, c'est égal. Alors là, je recoupe parce que tu as deux oreilles. Alors, je fais un petit trou là. Voilà, on va tenir ça. Et ça, normalement, ça vient devant. Comme ça. Excellent. Ben, vous voyez, on peut faire de jolies boucles d'oreilles, originales de surcroît, uniques, inédites et exclusives, avec des feuilles de résinier, des graines et du raffia. Et au final, le miroir va lui dire qu'elle est jolie. Qu'elles sont jolies, mes boucles d'oreilles. Voilà. C'est super sympa. Eh ben, qui le cru ? Ça remonte un petit peu, mais bon, font les dompter. Tu mouilles un petit peu et puis ça va te faire. Je crois que c'est sur ce petit soupçon de beauté, grâce à ce que tu nous as montré, Stella. Et d'ailleurs, il y a tellement de choses à voir. Donc sincèrement, prenez contact avec Stella si vous voulez voir tout ce qu'elle fait, si vous voulez qu'elle vous façonne, qu'elle vous fabrique des articles inédits, de super jolies choses. Voilà. Alors, elle a encore des merveilles à nous montrer. Ah oui, ça, c'est l'oiseau bien, ça va bien. Des îles. Waouh. C'est le plus beau, l'oiseau des îles. Super joli. Super jolie, des créations Stella Walters. Ouais. Si vous voulez nous faire vivre ce qui vous fait vivre, n'hésitez surtout pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche ici ou alors à nous contacter par téléphone. La rediffusion, c'est dimanche à partir de 12h30 et le samedi en fin de soirée. Bonne soirée sur ATV. Le veilleur,
lever yoka. Ma pas matronne ka pou lever moi yoka.